y a 5 ans, c'était ici son univers, au milieu du carrelage, de la peinture et du ciment. Cassim était chauffeur-livreur sur des chantiers. Bon, alors, je vais vous montrer un peu ce que je faisais. Je chargeais mon camion et une fois que c'était fait, c'était parti pour la tournée quotidienne. Ah, il n'a pas changé. Toujours aussi confortable. Et voilà, c'était parti. Désormais, c'est toujours à Marseille qu'il conduit, mais la route a bien changé. Ça fait plaisir de rentrer dans un centre d'entraînement comme ça, tu vois, en gros, ville de Marseille. Je rentre au Vélodrome, hein, ça rigole pas. Recruté par l'OM dans les tout derniers jours du Mercato, ce Marseillais a découvert la Ligue 1 et la Coupe d'Europe il y a moins de 2 mois. Une ascension fulgurante, un parcours rarissime. Tiens, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Tu vas bien? Ça va nickel. À mon patron, j'ai demandé l'autorisation pour qu'il me laisse aller faire l'essai à Sedan. Et comme il aurait pu refuser, il a accepté. C'est un peu grâce à lui aussi que je suis à l'OM aujourd'hui. J'ai pas hésité. Quitte à choisir, il vaut mieux qu'il aille jouer au ballon. C'est donc à Sedan que tout commence. Adrami, un ami de Cassim, croit en lui. En 2009, il appelle un de ses contacts à Sedan et insiste légèrement. Je l'harcèle, je lui dis, il faut que tu le prennes. Et il me dit, bon, bien, monte-moi le lundi. Donc il est arrivé ici, là, sur le terrain que vous avez derrière vous. Et on a regardé l'entraînement de ce joueur qui est très grand, 1m92. Au bout de 2 heures, il me laisse un message. Adrami, rappelle-moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Il avait un allant, une énergie, on sentait une volonté de ce garçon-là. Et c'est vrai que quand il m'a dit, voilà, chauffeur-livreur, je ne sais plus, je crois qu'il gagnait 1200 euros ou 150. Je lui ai dit, écoute, on va aller un peu plus du double. Et on voyait dans ses yeux qu'il était vachement heureux, quoi. Cassim a alors 22 ans. 3 saisons plus tard, il est élu meilleur latéral droit de Ligue 2. Il est repéré par plusieurs grands clubs, notamment l'OM. Tout s'est fait très vite. On a reçu la proposition le jeudi soir. Le vendredi, on se mettait d'accord. On a juste eu le temps de s'embrasser très fort avant qu'il prenne l'avion à 17h. Pour lui, Marseille, ça représente tellement de retrouver sa famille, les siens, de jouer au Vélodrome. On ne pouvait pas refuser. Mais comment s'intégrer à l'OM avec une telle histoire et quand on est pro depuis seulement 3 saisons? J'avais un peu quelques a priori. Je me disais, bon, j'arrive dans un club, je suis le petit joueur de Ligue 2, personne ne me connaît. Ils vont peut-être me prendre de haut et tout. Et voilà, au contraire, ça s'est super bien passé. Tous les joueurs, le staff, tout le monde m'a bien accueilli. C'était tellement gros que je ne pensais pas un jour jouer à l'OM. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y a 5 ans en arrière, j'ai joué en football amateur avec les amis. Et bon, il y avait le barbecue à la fin du match, c'était ambiance bon enfant. Et quand je vois aujourd'hui que je joue contre le Paris Saint-Germain ou je joue contre de belles équipes, je me dis waouh, quand même c'est bon. Jouer à l'OM, ça lui permet aussi de retrouver Marseille, sa ville natale. Cassim nous emmène dans les quartiers nord, sur les lieux de son enfance. Ben voilà, c'était là. Ouais, il faut s'imaginer dans le contexte où il y avait une cage. C'était notre stade Vélodrome à nous. C'est là où on a commencé à prendre les premiers gestes techniques. On a essayé plus ou moins. Et on a appris à jouer au ballon, c'était ici. La famille de Cassim habite toujours ici, à la Busserine. Notamment son frère, Mouba. Petit, c'était lui le meilleur au foot. On aimait le foot, mais on n'avait pas de grande ambition. Personnellement, personne n'y croyait. On jouait au ballon pour pas faire de conneries, quoi. Vous voyez les conditions dans lesquelles on vit, à part jouer au foot, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Il n'y a que ça, donc nous on aimait ça, c'était notre passion. Moi j'étais souvent en tenue de travail, j'étais plein de peinture et tout, donc les jeunes ils me voyaient arriver avec mon gros camion, et maintenant ils me voient à la télé et ils se disent ouais, tout est possible en vrai, donc ça fait rêver du monde et ça leur donne des idées. Mais pas de tourbillon, Cassim Abdallah reste humble, la tête bien vissée sur les épaules, avec encore de belles ambitions. Moi, sincèrement, le plus important, c'est surtout sortir ma famille du besoin. Ce rêve-là, il est pour moi plus important que d'être footballeur professionnel. Parce que là, je pourrais dire j'ai réussi ma vie.